Chut! Salut les aliens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au studio, on fait un meet-up au studio, on va faire une big écoute de mon album. Les gars, est-ce que vous vous en rendez compte comment c'est hyper important? J'ai fait gagner, j'ai fait un concours pour faire gagner des places ici aujourd'hui. Il y a deux sessions, waouh, ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos YouTube. Deux sessions, 7 personnes, première session, 7 personnes, deuxième session. Ce qui fait en tout 14 personnes, 8, 14, wow. 12 14, vous allez être avec moi aujourd'hui, vous allez vivre le stress avec moi. Et vous allez peut-être entendre des chansons aussi. Juste, petit truc à vous dire, au moment où le vlog sort, il y a déjà un lien de pre-save qui est disponible dans la barre de description. Donc allez pre-save la chanson, qu'est-ce que vous faites les gars? Arrêtez le vlog, partez d'ici, allez précommander la chanson, faites en sorte qu'elle purse, oh my god. Et préparez-vous, c'est une chanson qui est très bizarre. Souhaitez-moi bonne chance et j'espère que ça va vous plaire. J'ai hâte que les gens arrivent. Non, j'ai même pas la pression. Franchement, Dylan, il essaie de nous mettre la pression pour qu'on soit bien. Je sais qu'ils vont kiffer. Ah ouais, regardez, j'ai une petite étiquette Staff Nova. Attends. Staff Nova. Et pareil pour Alice. Les gars, ça commence en 5 minutes, il faut que j'aille faire pipi. Moi, c'est Chloé, déjà, enchantée, parce qu'il y en a plein qui me connaissent pas, je suis sûre. Je suis une amie de Dylan et je fais partie de l'équipe, comme le dit cette étiquette. Et il est 9h56. J'ai le téléphone de Dylan, vous êtes jaloux, je le sais. Donc là, dans 4 minutes, on va chercher les gens. Ah oui. On va être super méchants avec eux, mais c'est le but. Il faut savoir que Dylan a hâte, vous avez hâte, mais nous aussi, parce que nous, on suit le truc depuis le début. Nous, les chansons, on les connaît déjà par cœur en fait. Nova ou Dylan, on t'appelle comment maintenant? Nova, ma reine. Nova. Laurent qui est le producteur, c'est ça? C'est le producteur. Exactement. Et voilà. Qui est quelqu'un de très gentil. Ah, c'est vrai. En fait, j'ai menti, il est insupportable. Bonjour. Dorian qui est notre merveilleuse photographe. Ainsi que comment on dit vidéaste. Allez sur le canal 2 secondes. Et vous dites juste bonjour à bisous. Après que je vous ai introduit. Du coup, donc, objectif. Les filles, concentration. Objectif, les stresser. Qui soit impatient. Vous faites en sorte de privilégier la caméra de Dorian pour que Dorian ait les meilleurs plans. Personne dans le champ de vision. Tu vérifies les identités, tu les fais passer dans la cour un à un. Donc comme j'ai dit, tant qu'il n'y a pas tout le monde, faites pas rentrer, mais vous vérifiez quand même un peu l'heure. On ne fait pas les mettre à l'aise, tu vois. On les mettra à l'aise plus tard. Oui, très froid. Genre Chloé. J'écoute. Oui. Vous les stressez au max. Et après on deviendra gentil dès qu'ils se mettront là. Mais avant, pas du tout. Si ça prend vraiment 20 minutes devant, c'est chiant, mais on le prend. Il est un peu retard. Non, on veut que de la gentillesse. On veut les stresser mais pas de star. Je rentre dans le truc, j'arrive et tout. Bon, je leur fais un câlin à tous. Je me pose, je fais mon blabla. Tu filmes. Si vous sentez qu'il y a du bruit, me laissez pas dire s'il vous plaît et tout. Calmez-vous, baissez-vous, faites-le vous. Parce que sinon c'est un peu gênant et tout. Mais je pense qu'il va être discipliné. Je pense pas qu'il va faire de bruit, mais on sait jamais. Je vais démarrer les chansons. Pas de, bon voilà, je vous l'ai déjà dit, mais pas de préférence, pas d'éclat de joie sur une particulière chanson et tout. On doit être hyper neutre et tout. D'exigence le matin et tout. J'adore le midi, temps mort pour tout le monde. Quand j'ai temps mort, c'est Dorian, elle va peut-être même faire une sieste. Donc après, c'est bon, on a le truc. Maintenant, c'est bon. Maintenant, on va installer les chaises. Pas pour le vlog. Coucou les amis, vous avez vu comment je parle super vite? Je suis Vous avez vu comment je me suis maquillée alors que j'ai acheté hier et que je sais pas faire? Regardez-moi. Elle est très bien maquillée. On est efficace pour l'instant. Après, on peut te dire, on prend le petit sécher là, on le prend. On va en mettre un là, je pense. Alors, du coup, c'est moi qui ai été recrutée pour m'occuper du vlog. Regarde bien là si tu fais le vlog 1. Mais non, moi je me regarde moi-même. Non, c'est chiant. C'est dur en vrai. Genre, t'as envie de regarder là, mais il faut regarder. Mais ouais, faut regarder. Regardez bien tout mon make-up, comment il est BG. Vous aimez bien? Oui, vous aimez bien. Je le sais que vous aimez bien. Bon, faut que je filme Dylan. Bisous. Puis ensuite, tu vas écouter Insolent. Tu gères ça? Ouais. Sauf Insolent, du coup, que je t'appellerai pour le dernier pour avoir le bon mastering. À partir de ce moment-là, on leur rend leur téléphone pour faire des photos et des vidéos avec eux. Peut-être même s'ils ont envie de faire des TikTok avec moi, on les fait. Même sur l'audio, sur le truc. Ouais, ça va être trop cool. Oh, bah alors, tu sais que ça me manque les quicks avec vous dans le studio. Moi, j'ai bien hâte là. Je veux que ça soit cool et pas une écoute trop protocolaire. Dans les lignes, oui, mais un peu cool. Ça c'est le J'ai hâte, hein. J'ai bien hâte de voir les gens bien twerker. Tu fais écouter les gueules du coup Dylan? Mais je sais pas. Je sais pas par quoi commencer en fait. La journée. Commencer par. Mais genre je vais les choquer. Commencer par. Ils vont se dire bah, ah donc depuis tout le baratin qu'ils étaient sur les réseaux en disant qu'ils faisaient des chansons en bizarres, en fait c'est hyper simple. Je suis née pour être détestée par les gens qui sont de mon côté. Un visage d'ange, le grand démon. La bête noire sans le lâcher en sous. C'est imprégné.
Tu vas mettre un moment. Oui. Je filme principalement en portrait. Oui, principalement portrait, okay. Vous en paysage. Oh, il y a 3 ans, je t'aurais dit tout en paysage, mais à l'heure d'aujourd'hui, mes vidéos qui sont en paysage ne marchent pas et mes vidéos qui sont en portrait marchent. Donc le but, c'est que ça soit le plus visionné, quoi. Ok. Ça filme là? Vraiment, je crois que j'ai jamais vu autant de. Moi, je danse sur du rien. Faut que j'aille pisser. Je pisse dans les toilettes des meufs, on voit quand on regarde le temps passe. Ah, là, j'ai dit là, j'ai dit là. Vos gueules. Là, on va chercher les fans. Bonjour. Je t'écoute, Selma. Selma. Je t'en prie. Carte d'identité, s'il vous plaît. Merci, parfait. J'ai même pas regardé. Je fais genre un peu. C'est Gabriel. C'est Mi. Et Anaïs. Lina. Voilà. Vous les parents. Coucou. Bisous. Cette poche a jamais été aussi remplie d'argent. D'argent. Ah, je suis du mauvais profil. Voilà, regardez qui on a retrouvé. Trop bien. Est-ce que vous pensez que l'organisation... Quelle organisation est bonne? Je suis dans la cabine cachée. Ça fait trop, trop peur. Bonjour, bienvenue. Alors, il y a des sièges pour tout le monde, normalement. J'ai trop peur, pourquoi je fais de la musique? C'est quoi ce bordel? J'aurais pas dû... Oh mon Dieu, mais ça fait trop peur de faire ça. On est bon, non? Est-ce qu'on est bon tous? Ça va bientôt commencer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va? Vous allez bien, mon Dieu? Je fais la bise à tous. Un câlin, ça va? Salut, maman. Hello, Célia, c'est ça? Je fais la bise en étalant en même temps. Léna. Ça va? Mel. Mélissa. Ah, Mélissa, ok. Direct. Chloé. Ça va? Anaïs. Eh, hey, on est presque des. Et lui, je ne connais pas. Oh my god, est-ce que vous allez bien? Bon sang, c'est terrifiant. Bon. Ah, ok, aujourd'hui, on va écouter le premier single, mais pas que. Il y a un petit programme qui est assez chargé en 3 heures. On va faire beaucoup de choses. J'adore tes chaussures. Merci. On va faire beaucoup de choses en 3 heures. Je veux un oui global. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Ou non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va bien? Vous avez le droit de dire non. T'as vraiment dit je veux un oui. Je n'avais pas le droit de dire non. Je m'appelle Gabrielle, j'ai 11 ans et je vis en Bretagne. Je m'appelle Anaïs et j'ai 24 ans. Je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans. Je m'appelle Mélissa et j'ai 15 ans et je viens de Paris. Je m'appelle Léna, j'ai 17 ans. Je m'appelle Célia, j'ai 13 ans et je viens de Paris. Je m'appelle Selma, j'ai 18 ans et je viens de Nice. Bonjour, je m'appelle Ethel et posez pas de questions quoi. Non, je rigole, je vais faire 17 ans, j'ai 16 ans. Moi c'est Dorian et je suis la mamie, j'ai 24 ans. Bah moi vous me connaissez maintenant. Ok, okay. Du coup moi c'est Chloé, j'ai 17 ans et moi je fais partie du staff et tout. Moi je m'appelle Nova, bonsoir. Nova. C'est pas du tout forcé. Pas du tout. C'est un album que j'ai commencé à écrire dans ma chambre au téléphone avec Dorian. Parce que j'avais besoin d'écrire et puis je pense que pour la plupart vous me connaissez des kits. Je pense que tous vous me connaissez des kits. Vous étiez tous là à l'époque des kits. J'avais besoin de chanter sur des textes qui m'appartenaient plutôt que des reprises, même si j'adore chanter les reprises avec les kits. J'ai commencé à faire un album qui s'appelait de base Autoportrait. Les anciens s'en souviennent. Rien à voir, c'était très poétique, c'était hyper flou. Puis, un beau jour, avec Laurent. Laurent qui, en fait, est la personne qui m'a emmené à The Voice Kids. On peut l'applaudir lui aussi. Merci. On applaudit toujours l'artiste. Je voulais faire un album qui était propre à moi, particulier, avec ses propres sonorités. Vous allez l'entendre, c'est hyper, hyper particulier. Ok, ça, c'est le son Dylan, en fait. C'est la musique de Dylan, différent de... C'est trop mignon, Ça peut passer d'une chanson extrêmement triste avec plein de violons à une chanson hyper électronique avec une énorme basse, des paroles en espagnol, un peu Rosalia, un peu Beyoncé parce qu'évidemment... La reine Beyoncé, on fera jamais aussi bien qu'elle. Il était temps en fait de sortir un premier single, ça fait 2 ans que les kits ça s'est terminé je crois, 3 ans cette année ou pas? 2 ans et demi. Et le gars qu'on a rien à faire. C'était quand déjà l'autre vie? J'ai 19 ans, qu'il est temps que je tente. Et donc du coup voilà, bah écoutez, je pense qu'on va doucement commencer. D'ailleurs, petite information, le single sortira le 22 septembre. On voit le box.
Il a peur, mais pas nous, donc je pense que c'est rassurant. Je vais partir à la retraite demain et acheter un poulailler et finir ma vie à vendre des œufs. J'ai pas envie de vous choquer dès le début, donc on va pas écouter Promesse égale en premier. C'est pas logique. Ouais, on va faire crescendo pour que vous vous montiez petit à petit vers un truc un peu chelou. On commence par des chansons un peu plus normales. Un peu. Laurent qui fait des prods incroyables. Je l'ai jamais vu directement, mais c'est une dinguerie. On travaille avec les meilleurs ou pas. Un mot pour résumer quoi? Ce qu'on va écouter. Ce qu'on va écouter. Mais toi, tu connais ça un peu différent. Ouais, moi je suis pas un bon exemple, je connais tout. Nul à chier. Supernova. Hâte. Intrigue. Découverte. Iconique. Je sais pas. Okay. Je sais pas non plus. Incroyable. Explosif. Oh mon dieu, mais dans quoi je m'embarque? Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Fatigué, tête qui tourne. Slay. Alors. Prochain plan, écoute. Bon, est-ce que. Oh, j'ai peur. J'espère que ça va lancer au début. Est-ce que ça va lancer au début? Oui. C'était pas le début. Si on passait justement. Oh non, putain. Si on passait au premier single. Par où commencer? Alors, cette chanson. Alors, comment dire? On n'est tous pas aveugles, on voit tous à quoi je ressemble. Il y a un problème dans la matrice, un truc qui passe pas. Je voulais pas faire de chanson où je me justifie de m'habiller comme ça, de me maquiller. Je voulais pas faire de chanson là-dessus parce que j'ai pas à me justifier. Bref, je vois pas pourquoi j'aurais à le faire. Et au final, je me suis dit, bon, la fame. Je te brûle les lèvres. Tais-toi, ta pote sur l'écran, ça tombe la fièvre. T'es tellement gênée par tous ces gens. Génération qui force avec ces putains de changements. J'aimerais que j'aille me faire soigner et que je sois l'homme masculin. Je jure, j'ai tenté d'arrêter, mais les paillettes m'échappent entre les mains. Ça marche. Oh waouh! Magnifique. Les pieds. Vous avez tous glow up, genre, enfin, on se connaît depuis qu'on est. Je suis slay! Elle t'a dit chanson 31. Je te jure. Mais pleurs, c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire au monde. C'est vraiment tellement délicat comme attention. Mon dieu, mais ça va faire un moment. Jazz The Voice Kids, ça me fait un coup de vieux. Ça va faire 7 ans. 7 ans. Genre, il y a un bébé qui est né. On voit ton univers, on découvre. On te découvre plus en fait. Mais n'hésitez pas à vous lever, me foutre une claque en disant mais remets-toi sur le droit chemin, genre. personne peut faire ça. Satanas, qu'est-ce qu'on se base. Ah oui, la réaction sur le rap. Ah. Déjà de, alors deux questions. On en pense quoi? On en pense quoi? Quelle est votre réaction, genre est-ce que vous étiez genre what the fuck? Est-ce que ça vous a fait rire? Et autre chose, les paroles. Je m'attendais pas à ça. Après t'avais dit ouais, ouais il y aura un rap et tout ça. Je me suis dit il y aura un rap, ouais. Mais pas un rap comme ça. Du coup, c'est qui rap? C'est moi. Ah c'est toi. Bah, bravo et merci. J'ai plus d'énergie, je suis en manque de fer. Voilà, donc on dirait Dylan qui se sent pousser des ailes et qui met des photos en exclu, ça y est. Je te rappelle que là, elles ont leur téléphone. Hein. Complètement folle à la fin. Dylan, allô, mais Dylan, t'es fou. Bah, je peux leur montrer à la fin. Dylan, quand tu vas sur ton son, en fait, il y a que des gens qu'on connaît du coup. Ouais. Mais c'est génial. Bonjour. Non, on est tous seuls. Coucou, je m'appelle Noémie, du coup j'ai 18 ans, voilà. Donc, coucou, moi c'est Chloé, j'ai 20 ans. Moi c'est Ludivine, j'ai 17 ans. Moi c'est Lilou, j'ai 20 ans. Moi c'est Loli, j'ai 18 ans. Les ennemis me revoilà dans cette pièce de l'horreur. Laurent. C'est parti? Oui. Bah, on va écouter, allez. Je crois qu'il manque quelqu'un.
Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Je me suis dit, mais c'est qui? Vous aimez quand il y a un peu de son, genre, c'est studio, vous voulez un peu concert, genre. Ouais. Oh. Quel bordel. C'est vraiment le choc sur les visages. Déjà. Je t'écris cette lettre depuis longtemps. C'est rare que je dise ça, mais c'est vraiment relatif, tu vois. Moi, le succès, je le trouverai au moment où ma communauté, elle aimera le truc et que je pourrai, tu vois, continuer de partager des chansons. Et tu peux avoir, genre, une base de 10 000 fans, mais ces 10 000 là, ils sont genre hard et ils viennent à tous les concerts et tout. Moi, si c'est ça, pour moi, c'est du succès, tu vois. Avec les kids, on a eu des millions de personnes qui ont suivi, mais est-ce que les millions me suivent? Est-ce que les millions vont vraiment aller streamer la chanson? Je m'étonnerais. Tu veux que je signe haut parce que je me permettrai pas de signer? Vas-y, sur ma veste. Et même Sardouino, j'avais su. Fidélité. Ouais, plus. Ah, je te jure, j'ai écrit comme une merde. D'habitude, j'écris trop bien, mais là, frère, je me comblais d'amour. Waouh, je vais tout lire. Merci beaucoup, t'as un amour. Tu veux que je signe ici? Oui. Parfait, excellent. T'as eu la signature de qui, là? Rafi. Oh, Slay. J'aime Rafi. Il me manque. Il habite à côté de chez nous. Oh merde, la tête de Sarah. Bon, tu lui montreras pas. Ce métier là c'est trop froid. On a besoin de monde, on a besoin de gens. Voilà. Oh my god. Coucou, j'ai repris le vlog encore. Je suis avec, dites vos noms. Noémie. Ludivine. C'est bien dans le brouhaha, c'est parfait. On est très fiers de toi et qu'on a trop hâte de te voir évoluer, hein, de voir grandir encore. Dylan, je t'aime. Voilà. On découvre l'album. Voilà. Ouais. Et je me fais engueuler là parce que faut que vous y alliez, c'est toi qui y vas là. Faites percer Dylan. Regardez les vidéos en boucle, mettez tout en boucle, endormez-vous devant, comme ça, ça fait des 1, 2, 3. Moi j'ai pas entendu ce qu'a été dit dans les interviews, mais je pense pas qu'il y en ait une de vous qui ait dit bah, c'est super, mais sauf dans telle chanson, je trouve que ta voix, t'as chanté un petit peu trop. Vous avez parlé de choses qui sont plus de l'ordre des ressentis, et c'est ça les choses importantes au final. Et vous avez bien aimé la voix quand même? Oui. Moi j'aime bien le quand même, tu vois. Ouais, non, parce que je me suis dit, attends, quand même, le truc comment ça on parle pas de la voix? J'ai l'impression à votre dent de sagesse qui pousse, pardon. C'est nerveux. Donc, je le redis, et merci encore à vous toutes de votre implication dans ce projet. On dirait que c'est nous qui avons fait la musique. Non, mais... Félicitations pour le travail qu'on fait. Mais tu sais, des fois, ça peut paraître un peu ringard et surfait de le dire. Quand tu es de l'autre côté, où tu vois les artistes, merci, sans mon public, je ne suis rien. Franchement, la réalité, on a charbonné depuis un an et demi. Et même moi, alors je ne suis même pas l'artiste, je suis très touché par ça. Les chansons, elles arrivent, ça vous plaît, vous êtes là. Et alors, Dylan, j'imagine pour lui, c'est encore puissance 10, puisque tu dis, c'est mon cœur va plus vite. C'est vraiment très compliqué de lancer des projets. Hein. Je ne dis pas que c'était facile il y a 10 ans, mais... On est vraiment à une époque où il y a beaucoup de projets, il y a pas mal d'artistes, le métier est difficile parce que pour plein de raisons. On part dans une aventure qui est une vraie aventure, et cette aventure, c'est vrai que sans vous, elle n'a pas de sens, elle pourra pas exister. On peut faire les meilleures chansons du monde, s'il y a deux personnes qui les suivent même pas, on n'en fera pas une troisième. C'est très bon, Laurent. C'est vrai. Tout filmé, ouais. Il est très très bon, il fait mille la promo comme un fou. C'est la fin de journée, même moi j'ai envie d'écouter ma chanson, genre. Je vais la streamer, merci Laurent. On a vraiment une envie de live à court terme. Ouais. Alors, si je parle à 19 ans, si son premier album n'arrive pas à l'endroit où il espérait qu'il arrive, il a vraiment du temps d'en faire 10 autres derrière. Il a le temps et le talent pour en faire 10 autres derrière. Mais le problème, c'est l'argent.
Ça y est les amis, la journée est terminée. On est tous super contents. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de retours positifs. En fait, je savais que ça allait un petit peu plaire, mais pas autant. J'ai eu que des super bons retours et des garanties de stream. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a plu de venir avec moi dans les coulisses de ce meet-up. Le lien pour précommander Insolente, mon premier single, est disponible dans la barre de description. Je vous invite vraiment, vraiment à aller précommander parce que je vous jure que c'est une expérience. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez devenir fou. Allez précommander la chanson et s'il vous plaît, streamez. Je vous aime. Bisous. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça. Ok, bisous. Du coup, moi, je voulais redire un mot. J'ai aucune idée de l'intérêt de faire ça pour le vlog. Tu mettras peut-être même pas dans le montage, mais je m'en fous. C'est à toi que je m'adresse, Dylan. En fait, je viens juste lâcher mon émotion que je retiens depuis tout à l'heure. Cette journée, c'est tellement un accomplissement. Genre, je sais que je... Enfin, ça a aucun sens que ça me touche autant. Parce que, genre, je sais que c'est ton travail. Mais genre, je suis tellement fière de... Genre... de tout ce que t'as fait. Parce que je sais que ça a pas été facile pour toi de continuer d'y croire et tout. Et pourtant, enfin... Genre, on est là, quoi. Ça y est, on a réussi. C'est le début. Mais genre t'y es et juste le fait de me dire qu'aujourd'hui, il y avait des gens qui étaient fans de toi, qui étaient en train d'écouter tes chansons dans le même canapé où moi, je les écoutais quand tu les enregistrais. Genre, ça me... Je sais pas, c'est trop bizarre dans ma tête depuis ce matin. Ça me retourne l'esprit. Je suis désolée, je pleure. C'est la honte de ouf. Et en vrai, je m'affiche comme ça pour une fois devant toi, mais ça n'arrivera plus. Et genre, c'est dingue. Genre, Et merci, en fait, juste merci de me laisser vivre tout ça aussi parce que genre... Je me sens hyper concernée et impliquée parce que tu me laisses aussi la possibilité de l'être et de le faire. Bah genre juste merci pour l'expérience et pour l'aventure que c'est. Je sais que c'est que le début mais genre c'est déjà tellement... Je t'aime. Je crois qu'on se le dit pas beaucoup mais je t'aime vraiment. Et je sais que ça fonctionnera, je le sais. Genre la vie elle a décidé que ça marche, j'en suis sûre. Waouh, émotionnellement c'est tellement gros ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est dingue. Et j'ai trop hâte, qu'elles soient toutes là, les petites chansons, et qu'on puisse tous les chanter ensemble et tout. C'est honteux, je suis en train de m'afficher, je suis vraiment une Madeleine quoi, j'ai vraiment 5 ans. Je suis si fière de toi. La honte. Et puis même genre, juste, je repense à juste le fait que genre, j'étais la petite fille genre fan de toi dans l'équipe d'Unicide et tout, et genre aujourd'hui on est amis et aujourd'hui on vit tout ça ensemble un peu. Je sais que c'est ton travail, je sais que c'est ton projet, je sais que c'est ton aventure, mais je le vis avec toi aussi et enfin, c'est dingue. Et genre c'est peu importe ce qui arrive une fois que les chansons elles seront sorties, peu importe ce qui se passe, peu importe l'ampleur que ça va prendre, je serai toujours genre hyper fière et reconnaissante d'avoir été là, d'avoir eu la chance d'être là et de toi juste. Parce que tu te donnes tellement, parce que tu te tues tellement à la tâche et tu mérites vraiment que ça fonctionne, genre. Voilà, je t'aime.